Donc dans le yoga, il y a pas de, c'est pas un système de performance. Pas de performance dans le yoga. Donc on est vraiment à l'écoute de soi. Et si à un moment, il y a des postures qu'on ne peut pas faire, ou des variations qui sont proposées qu'on ne peut pas faire, on ne les fait pas. Et on s'allonge, on peut s'allonger sur le dos, on peut faire rester assis, pour le faire debout, même allongé sur le dos. Il y a une posture qui s'appelle Shavasana, c'est la posture de relaxation, on est allongé sur le dos en étoile et on respire. Donc à tout moment, si à un moment ça va trop vite, on a envie de dire dans l'instant, je me relâche, je me relâche. Le but du Hatha Yoga, c'est de découvrir certaines postures, d'aller explorer le corps dans certaines postures. Pour ceux qui sont plus avancés, il y a des variations qui permettent de complexifier un petit peu la posture, et ça, il n'y a jamais de fin. Donc au début, on sera à la base, après on y va petit à petit. Et bien sûr, si à un moment on tient la posture un peu moins longtemps qu'indiqué, et on attend un peu moins longtemps, et on se relâche. On est vraiment à l'écoute dessus. On va commencer debout. Vous allez vous placer à l'avant de votre tapis, à l'espace à peu près d'un pied du bord avant du tapis. Si vous êtes à l'aise en chaussettes, vous restez en chaussettes. Si vous voulez être pieds nus, vous êtes plus de confort pour certaines postures. Les pieds accrochent un peu sur le sol. Vous réglez votre posture, le réglage de la posture, ce sont les pieds joints. La rétroversion du bassin, vous rentrez le nombril, le but est de délamposer un petit peu les lombaires, de ne pas avoir les lombaires cambrés avec la rétroversion du bassin. Et de se tenir le plus droit possible. Si les épaules sont encore un peu devant, vous tirez un petit peu vos omoplates vers l'arrière. Si les épaules sont encore un peu hautes, vous descendez les doigts vers le sol. Et vous visualisez votre colonne vertébrale bien droite, comme si vous gommiez les courbures naturelles de la colonne vertébrale en forme de S. On essaie de redresser la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le sommet du crâne, vous le trouvez en faisant la jointure des deux lignes qui partent depuis les pointes des oreilles. Vous trouvez votre sommet du crâne, vous pouvez abaisser un petit peu le menton. Et sentir que la nuque est droite et que le sommet du crâne grandit vers le ciel. C'est la posture de démarrage, Tadasana, posture de la montagne, où on prend conscience de la verticalité de sa colonne vertébrale. Une fois que vous êtes bien droit dans votre colonne vertébrale, prenez conscience de vos appuis, on va bien centrer les appuis. Mettez un peu de poids du corps sur l'avant de la plante de pied, les orteils accrochent le sol, puis un petit peu plus vers l'arrière, plus sur les talons, les orteils décollent un petit peu du sol. Faites quelques allers-retours entre l'avant de la plante de pied et l'arrière de la plante de pied très léger pour venir trouver le centre, le point de bascule de vos appuis entre l'avant de la plante de pied et l'arrière de la plante de pied pour venir au centre. Vous n'êtes ni sur l'avant ni sur l'arrière, mais juste au centre. Centrez sur les appuis, colonne vertébrale bien droite. Maintenant, prenez conscience du souffle. Vous inspirez, expirez par le nez. À l'inspiration, vous gonflez le bas-ventre. À l'expiration, vous rentrez le nez. C'est mieux sentir que mettre la main droite sur le bas-ventre, à l'inspiration une seconde, et à l'expiration vous le rentrez. Respiration abdominale. On allonge le souffle, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Expirez, rentrez le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Inspirez, gonflez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Expirez, rentrez, gonflez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Respiration complète, inspirez la ventre, bas des poumons, milieu des poumons, thorax, épaules. Expiration, rentrez le nombril, thorax, vider le thorax, et relâchez les poumons. Inspirez en trois phases, l'avant, bas des poumons, milieu des poumons, haut des poumons. Expiration abdominale, rentrez le nombril, expiration thoracique, relâchez les côtes, expiration claviculaire, vider tout l'air. Encore une dernière fois, inspirez l'avant, poitrine. Épaules, expiration abdominale, thoracique, claviculaire, pied. Les mains se rejoignent en pied à la poitrine et vous grandissez vers le ciel. Vous avez les paumes de main joints, vous montez un petit peu plus haut les doigts de la main droite, un petit peu plus haut les doigts de la main gauche. Vous gardez les deux paumes de main ensemble, les biceps si possible un petit peu à l'arrière des oreilles pour rentrer bien le nombril. Et tout en grandissant vers le ciel, maintenant c'est le sommet du crâne.
arme qui va et vers le ciel, légèrement vers l'arrière, vous regardez les deux pointes d'index, vous poussez légèrement les hanches vers l'avant et vous sentez une légère concavité qui part des talons jusqu'aux épaules en passant par le bas du dos. Vous inspirez en gonflant le bas ventre. Et à l'expiration, vous rentrez le dos. Puis vous remontez en inspirant, vous guidez vers le ciel, vous replacez la tête. Et vous ramenez les mains en pierre à la poitrine. Et relâchez. Montez bras gauche vers le ciel, inspirez, rentrez. Biceps gauche à l'oreille gauche, vous continuez de monter les doigts de la main gauche vers le ciel. Vous grandissez, vous entrez bien la plante du pied gauche dans le ciel. Et vous arrivez vers le ciel légèrement vers la droite. Gardez bien le biceps gauche à l'oreille gauche, vous relâchez l'épaule droite, le bras droit, la main droite glisse, le long de la coude droite vers le genou droit, vous rentrez bien le nombril, et vous étirez le flanc gauche, depuis la taille, la hanche, la gauche, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Tournez la tête à gauche, le menton haut, et ressentez l'étirement dans tout le flanc gauche, le temps d'une bonne inspiration, et d'une bonne expiration. Puis remontez en inspirant, puis par les doigts. Expirez, détendez. Montez le bras droit vers le ciel, inspirez, glissez. Biceps droit à l'oreille droite, vous pouvez grandir vers le ciel, vous rentrez bien vos bris, vous ancrez bien la plante du pied droit dans le sol. Vous montez et vers le ciel et légèrement vers la gauche. Vous relâchez le bras gauche, la main gauche glisse le long de la cuisse gauche vers le genou gauche, vous mettez bien votre profil et vous étirez votre front droit depuis la taille, la hanche, la gauche jusqu'à l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Et vous tournez la tête à droite, le menton haut, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Vous étirez le flanc droit, taille, hanche gauche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Et vous remontez, guidé par les doigts en inspirant. Et expirez, détendez la lèche. Projetez les pouces, les doigts du monde vers le ciel, biceps à l'arrière des oreilles, vous grandissez, rentrez le nombril. Et on va passer dans la posture de la chaise, vous serrez les cuisses, serrez les genoux, rentrez bien le nombril, vous descendez un petit peu les fessiers vers l'arrière, vous essayez de garder le dos droit. Ce n'est pas grave s'il s'incline, le nombril reste droit depuis le bas du dos jusqu'au bout des doigts, essayez de garder les biceps à l'arrière des oreilles. Et sans bouger la tête, tendez le regard vers le ciel, les talons dans le sol. Descendez pas forcément trop et gardez bien les plantes de pied dans le sol. On reste là pour 6, 5, genoux serrés, 4, 3, 2, 1, grandissez, inspirez, montez. Expirez, détendez la lèche. Montez le bras droit vers le ciel, inspirez, grandissez. La main droite se place entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. Vous réglez la posture avec la main gauche, le triceps vers l'avant, biceps à l'arrière de l'oreille, vous tirez votre coude vers l'arrière, histoire de bien centrer la main droite entre les deux omoplates. Si la tête est baissée, vous redressez la tête. Si vous êtes en bas du dos, rétroversion du bassin, vous rentrez le nombril. Avec la main gauche, vous déchargez cette main droite, c'est le dos de la main gauche qui glisse et qui remonte le long de la colonne vertébrale pour attraper peut-être un doigt, une phalange, deux phalanges, trois phalanges. Si ça ne touche pas les doigts, ce n'est pas grave, ça viendra avec la pratique. Gardez les épaules sur la même ligne, si vous ne pouvez pas avoir une épaule plus haute que l'autre. Étirez vos deux coudes vers l'arrière, vous inspirez, vous gonflez la cage thoracique. Emmenez le verre dans les épaules, dans les omoplates, dans les bras. Et après l'expiration, relâchez doucement et récupérez vos bras, vos épaules, vos triceps. Et enroulez tranquillement de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière, vos épaules, vos omoplates. Vous inspirez quand vous montez, ouvrez. Et vous expirez quand vous détendez et relâchez, assez bien le haut. Côté gauche, côté bras gauche, inspirez, grandissez. La main gauche se place entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale avec la posture avec la main droite. Triceps vers l'avant, biceps à l'arrière. Redressez la tête, décorpez le bas du dos. Une fois que la main gauche est le plus bas possible entre les deux omoplates, on vient avec la main droite. C'est le dos de la main droite qui glisse, qui remonte. Vous attrapez peut-être un doigt. Essayez de rejoindre la phalange de l'index avec celle du majeur. Puis ensuite, essayez de crocher un deuxième doigt, un troisième doigt, un quatrième doigt peut-être. Les épaules sur la même ligne, tirez vos coudes vers l'arrière, c'est normal d'avoir un côté plus simple que l'autre. Vous inspirez, gonflez la cage thoracique. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les omoplates, dans les trapèzes, clavicules, acromion. Et après votre expiration.
Inspirez. Aum 1, expirez, main jointe à la poitrine, coude écarté. Aum 2, inspirez, grandissez vers le ciel. Vous pouvez crocheter les pouces. Les doigts montent haut vers le ciel et très légèrement vers l'arrière. Essayez d'ouvrir les aisselles au maximum. Aum 3, expirez, penchez le corps, le dos bien droit, loin vers l'avant, puis vers le sol. Emmenez la main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Pliez les genoux si besoin pour bien placer les mains sur la même ligne que celle des pieds. Vous relâchez les épaules, relâchez la tête, relâchez le dos. Enroulez les cervicales pour rapprocher le menton de la poitrine et rapprocher votre front de vos deux genoux pliés. Essayez de coller votre front sur vos deux genoux pliés, rentrez bien le dos. Aum 4, reculez la jambe droite, loin vers l'arrière. Posez votre genou droit et votre dessus du pied droit au sol. Ici, nous sommes en fente avec le pied à gauche perpendiculaire au sol et les mains de part et d'autre du pied gauche. On a bien les deux mains et le pied gauche sur la même ligne. Faites quelques micro-mouvements, prenez appui un petit peu sur la main droite, sur la main gauche, laissez votre bassin basculer un peu à droite, un peu à gauche, posez bien le dessus du pied droit aussi au sol derrière, pour être bien reposé sur le dessus. Une fois qu'on a fait nos micro-mouvements à droite, à gauche, on peut faire quelques petits cercles avec votre genou gauche pour remettre de la mobilité dans la hanche gauche, dans un sens et dans l'autre sens. Détendez, là où ça tire, dans les cuisses, doigts, hanches. Puis fixez la posture, vous passez sur le bout des doigts, vous remontez le sommet du crâne, le ventre vers le ciel, essayez de descendre le bassin, ici on étire le psoas droit, le petit muscle qui relie l'abdomen à la cuisse. Inspirez. Aum 5, les mains restent au sol, vous passez en planche. Passez, décollez déjà le pied droit, jambe droite, et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Belle planche tonique, les épaules sont au-dessus des mains, les biceps sont tournés vers l'avant, le corps est bien droit depuis les talons jusqu'aux épaules, en passant par le bas du dos sans laisser tomber la tête. Aum 6, expirez, posez genoux, poitrine entre les mains, les coudes serrés, vous posez la poitrine entre les mains et le front au sol, les hanches ne touchent pas le sol, vous exagérez la cambrure lombaire, les fessiers remontent vers le ciel. Les hanches sont à quelques centimètres du sol, vous activez le bas du dos, l'antéversion du bassin, pour remonter vos fessiers vers le ciel. Les omoplates sont serrées, nous sommes dans la posture genoux, poitrine et front au sol. Les coudes sont serrés, les omoplates serrées, très actives dans le bas du dos pour remonter les fessiers vers le ciel, et actives dans le milieu du dos pour serrer les coudes, serrer les omoplates. Aum 7, glissez vers l'avant, posez le bassin. On avait posé la poitrine, on pose le bassin, les fessiers. Le menton décolle et la poitrine de l'icobra sans lien. Ce sont les fessiers et les lombaires qui travaillent pour décoller la poitrine du sol, les pieds restent au sol. Puis cobra, on garde les mains à côté de la poitrine et pousse vers l'avant, comme si on voulait glisser et on ne glisse pas. Et on serre les fessiers un peu plus, on décolle un tout petit peu plus haut la poitrine, sans tendre les bras. Le but n'est pas de tendre les bras, mais de pousser, de serrer les fessiers. Inspirez. Aum 8, remettez les orteils dans le sol, V inversé. Poussez sur les mains, le bassin monte vers le ciel et les talons vont vers le sol. On est bien droit depuis les mains jusqu'au bassin et bien droit depuis le bassin jusqu'aux talons. Les jambes bien tendues, vous êtes actifs à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour emmener les talons vers le sol. Essayez d'ouvrir les aisselles au maximum, gardez les biceps tournés vers l'avant, vous poussez bien sur les paumes de main, les phalanges des doigts pour rallonger la colonne vertébrale. La tête va vers les genoux, rentrez le nombril, vous faites un V inversé, c'est le bassin qui fait la pointe. Emmenez même votre regard vers le nombril si vous pouvez. Aum 9, ramenez le pied droit sur la ligne des mains. Plusieurs possibilités. Soit on ramène le pied directement. Si c'est un petit peu difficile, on lève le bras droit et par l'extérieur, on voit la hanche droite, on pose le pied droit. Ou alors, pour démarrer, eh bien vous posez votre genou gauche, levez votre bras droit et votre pied droit vient par l'extérieur petit à petit se remettre sur la ligne acromantique et pour reposer votre. Donc n'hésitez pas à poser le genou gauche, de toute façon on pose le genou gauche et le dessus du pied gauche à l'arrière, on se retrouve comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le petit bien droit devant. Micro-mouvement, prise d'appui sur la main gauche, sur la main droite, le bassin qui bascule un petit peu à gauche, qui bascule un petit peu à droite, vous étirez un petit peu toutes les fibres autour du bassin, autour des hanches, faites faire quelques petits cercles à votre genou droit pour cette première posture de ce que
Puis fixez la posture, passez sur le bout des doigts, remontez, sauvez le crâne, ventre vers le ciel, laissez descendre le bassin, inspire. Om 10, ramenez le pied gauche, gardez les mains au sol, prenez appui sur le pied droit pour ramener le pied gauche à côté du pied droit, les jambes pliées si besoin, bien sûr, les mains à côté des pieds, menton, poitrine, front, genou. Om 11, redressez, inspirez, les doigts loin vers l'avant et vers le ciel. Om 12, expire, détendre. Ici pour le Om 11, quand on redresse, c'est important, c'est quand vous avez les jambes pliées et le front vers les genoux. Vous essayez de remonter le dos droit. Donc d'abord le dos droit. Droit, 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 droit. Et ensuite, je me serre les jambes. Si j'ai du mal avec les lombaires, je peux aussi descendre un peu plus les jambes. Donc n'hésitez pas, quand vous partez vers l'avant, à descendre un peu les fessiers pour pousser dans le sol et faire une majeure partie du mouvement avec les jambes plutôt qu'avec le bas du dos. Et petit à petit, plus on sera souple dans les jambes et tonique dans les lombaires, plus on ira chercher le dos droit en gardant les jambes tendues, en poussant sur les plantes de pied et en remontant dos droit. D'accord ? Donc n'hésitez pas à descendre les fessiers pour faire ce mouvement de bascule, pour remonter, guidé par les doigts, pour pousser dans le sol et remonter en haut des jambes et les lombaires. Demi-cycle à gauche, inspire. Au 1, expire, main jointe. Au 2, inspire, grandissez vers le ciel. Au 3, expire, loin vers l'avant, puis vers le sol, les mains à côté des pieds, front au genou, les jambes pliées si besoin. Au 4, reculez la jambe gauche cette fois-ci d'abord, posez votre genou gauche et dessus du pied gauche, en tête de reculer la bonne jambe gauche. Passez sur le bout des doigts, remontez sommet du crâne, montez vers le ciel, inspire. Au 5, planche, pied droit à côté du pied gauche, belle jambe tonique, bien droite la posture. Om 6, expire, pose genoux, poitrine et front au sol. Poitrine entre les mains, bien posée. Le dos légèrement cambré, exagérez la corde lombaire pour remonter les fessiers vers le ciel. Et le front au sol. Om 7, glisse vers l'avant, posez tout le corps et le dessus de pied, décollez menton poitrine. Demi-cobra, sans les mains. Coude serré, omoplate serré. Puis poussez avec les mains vers l'avant du tapis pour serrer les fessiers plus fort, décollez un peu plus cobra. Om 8, expire, inverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol, poussez bien sur les paumes de main, phalange des doigts, ouvrez les aisselles au maximum, la tête vers les genoux, rentrez le nombril. Om 9, ramenez le pied gauche sur la ligne des mains, soit directement, soit en posant le genou droit, et en ramenant le pied gauche par l'extérieur pour le ramener sur la ligne de départ, passez sur le bout des doigts, inspirez, grandissez, posez bien le dessus du pied, à l'arrière. Om 10, ramenez le pied droit à côté du pied gauche en gardant les mains au sol. Front au genou, enroulez les cervicales. Om 11, redressez, inspirez, pensez à descendre les fessiers si besoin. Pour être guidé par le bout des doigts vers l'avant et vers le ciel. Om 12, expire, détendre. Vous allez faire un cycle complet. Deuxième cycle, inspirez. Om 1, expire, main jointe à la poitrine, coude écarté. Om 2, inspirez, grandissez vers le ciel, les mains vers l'arrière. Om 3, expirez, loin vers l'avant, plus vers le sol, rentrez bien le nombril, les mains à côté des pieds, front au genou. Om 4, reculez la jambe droite, loin vers l'arrière, posez votre genou droit et votre dessus du pied droit, passez sur le bout des doigts, redressez, sommet du crâne, inspirez. Om 5, planche, coupez le souffle. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serré. Bassin sur les pieds. Om 7, inspirez, glissez, demi-cobra, sans les mains. Pieds au sol. Puis poussez avec les mains vers l'avant du tapis cobra. Om 8, expire, inversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Ouvrez les aisselles au maximum, poussez bien dans les paumes de main. Om 9, ramenez pieds droits sur la ligne des mains, soit directement ou en posant le genou gauche. Inspirez, grandissez sur le bout des doigts. Om 10, ramenez pied gauche, gardez les mains au sol, à côté du pied droit, expire en bas, gardez les jambes pliées si besoin, front genou. Om 11, redresse, inspire, guidé par les doigts loin vers l'avant, et vers le ciel. Om 12, expire, détends la hanche. Inspire. Om 1, expire, main jointe. Om 2, inspire, grandis. Om 3, expire, loin vers l'avant, vers le sol, les mains à côté des pieds, front genou. Om 4, poussez la jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, la bonne jambe gauche, passez sur le bout des doigts, inspirez, grandissez.
tirez au plat de serrer, bassin surélevé, décollez les pentes du sol. Aume 7, glissez vers l'avant, inspirez, demi-cobra, sans lien. Puis avec les mains qui poussent vers l'avant, demi-cobra. Aume 8, expire, inverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol, emmenez vos talons vers le sol, poussez bien sur les paumes de main, la tête va vers les genoux, rentrez bien le nombril. Aume 9, ramenez le pied gauche sur la ligne des mains, posez votre genou droit. Pour ramener par l'extérieur, inspirez, avancez. Aume 10, ramenez pied droit, levez pied gauche, expire en bas, menton, poitrine, front au genou. Aume 11, redresse, inspire vers l'avant. N'hésitez pas à descendre les fessiers comme indiqué pour protéger les lombaires, on vous expire, détendre. Troisième cycle un peu plus fluide, inspirez. Aume 1, expire. Aume 2, inspire. Aume 3, expire, vers l'avant, vers le sol, main côté des pieds, front au genou. Aume 4, reculez la jambe droite, côté genou droit, du pied droit, passez sur le bout des doigts, inspirez, grandissez. Aume 5, planche, le genou. Aume 6, expire, pour le genou, poitrine, front, coude serré, au plat serré. Aume 7, inspire, glisse, demi-cobra, sans les mains, puis cobra, pousse avec les mains. Aume 8, expire, réinverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Aume 9, ramène pied droit, pose le genou gauche au sol, inspirez, grandissez. Aume 10, ramène pied gauche, expire en bas, menton, poitrine, front au genou. Aume 11, redresse, inspire vers l'avant. Et vers le ciel, aume 12, expire, et dans voilà. Côté gauche, inspire. Aume 1, expire. Aume 2, inspire, grandis. Aume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Aume 4, recule jambe gauche. Genou gauche au sol, inspire. Aume 5, planche, fais le dos. Aume 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Aume 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Aume 8, expire, réinverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Aume 9, ramène pied gauche, sur la ligne des mains, genou droit au sol, inspire, grandissez. Aume 10, ramène pied droit, posez du pied gauche, expire en bas. Poitrine, front, genou. On se redresse, inspire vers l'avant. Vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On nous expire, on descend vers l'arrière. Dernier cycle, un peu plus vite, inspire. Aume 1, expire. Aume 2, inspire. Aume 3, expire. Aume 4, recule jambe droite. Inspirez, grandissez sur le bout des doigts. Aume 5, planche, ouvrez le bout. Aume 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serré. Aume 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Aume 8, expire, réinverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Aume 9, ramène pied droit, posez le genou gauche, inspirez, grandissez. Aume 10, ramène pied gauche, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire, vers l'avant, vers le ciel. Aume 12, expire, détend vers l'arrière, côté gauche, inspire. Aume 1, expire. Aume 2, inspire. Aume 3, expire. Vers l'avant, vers le sol. Aume 4, plus jambe gauche. Inspirez, grandissez. Aume 5, planche. Coupez le tout. Aume 6, expire. Pose genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Aume 7, inspire. Glisse, demi-cobra. Puis cobra. Aume 8, expire. Réinverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Aume 9, ramène pied gauche. Posez le genou droit. Inspirez, grandissez. Aume 10, ramène pied droit, levez du pied gauche, expire en bas. Aume 11, reste, inspire vers l'avant, vers le ciel. Aume 12, expire, détend vers l'arrière. Ressentez l'énergie qui circule dans le corps, vous pouvez fermer les yeux. Écoutez votre cœur battre dans la poitrine. Observez l'énergie qui circule, depuis les plans de pied jusqu'au bassin. Du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Taper la fréquence cardiaque avec une respiration complète, comme tout à l'heure, inspirez, avant.
de votre pied. Fixez un point loin vers l'avant ou vers le sol pour l'équilibre, restez concentré sur un point. Quand vous êtes bien stable, les mains se rejoignent en prière à la poitrine et grandissent vers le ciel. Concentré sur un point, mental stable, respiration stable. Quand vous êtes bien stable dans votre posture, de l'arbre, paume de main jointe, on peut faire la variation des yeux fermés, laisser quelques secondes, les yeux se clorent, et restez concentré sur vos trois appuis, le pied droit dans le sol, le pied gauche contre la jambe droite. La main gauche contre la main droite. Restez concentré à l'intérieur de votre posture. Observez votre souffle. Puis grandissez, inspirez, montez les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière à la poitrine. Relâchez d'abord les épaules et les bras. Et reposez votre pied gauche avec vous. On change de jambe, le pied gauche centre dans le sol. Levez votre genou droit, vous ouvrez la hanche droite à 80 degrés. La plante du pied droit vient se placer soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, enfin au-dessus de la botte du genou, ou un petit peu plus haut à l'intérieur. Fixez un point vers l'avant, vers le sol, restez concentré sur un point. Les mains se rejoignent en prière à la poitrine, grandissez vers le ciel. Mental stable, respiration stable, concentré sur un point. Et pour ceux qui le souhaitent, variation des yeux fermés, vous laissez doucement se clore les yeux. Et vous restez concentré sur vos trois appuis, pied gauche dans le sol, pied droit contre la jambe gauche, main droite contre la main gauche. Puis grandissez, inspirez, montez vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière à la poitrine. Et relâchez d'abord les épaules et les bras. Et reposez votre pied droit. Nous allons placer les mains en prière dans le dos. Pour placer les mains en prière dans le dos, vous rejoignez le coude majeur. Le bout des annulaires, le bout des auriculaires, et vous laissez glisser les mains progressivement vers le milieu de vos omoplates. Vous pouvez garder le dos des mains d'abord contre les omoplates, et ensuite resserrer les épaules pour placer les mains en prière dans le dos. Si c'est difficile de placer les mains en prière dans le dos, vous pouvez d'abord, dans un premier temps, rejoindre les poignets. Vous attrapez vos poignets, vous tirez vos omoplates dans le dos. Deuxième étape, une fois que vous avez les poignets, vous attrapez les coudes, le bout des doigts de la main droite, gauche, vous devez de la main gauche ou droite, et vous tirez encore les omoplates dans votre dos. Peu importe que ce soit les mains en prière, que ce soit les mains en poignet, que ce soit les mains au niveau des coudes, essayez de décambrer le bas du dos, vous rentrez donc la rétrogradation du bassin, ce sont bien les omoplates et les épaules qui s'étirent vers l'arrière, vous gardez les pieds joints à l'avant de votre tapis. Une fois que vous avez les pieds joints à l'avant de votre tapis, vous reculez pour la posture de la pyramide, la jambe droite, 1 mètre vers l'arrière. Les deux jambes restent tendues. Si le bassin a un petit peu pivoté sur le côté, vous le remettez bien de face. Une fois qu'il est bien de face, une bonne inspiration. Et avec le menton qui va loin vers l'avant, vous restez le dos parallèle au sol pour étirer l'arrière de la jambe gauche, de la cuisse gauche. Mettez bien le dos plat parallèle au sol. Pour ceux qui le souhaitent, qui sont à l'aise dans cette posture, vous emmenez votre menton encore un petit peu plus loin vers le gros orteil gauche. Et si vous êtes très à l'aise, vous enroulez les cervicales pour emmener le front vers le tibia gauche. Le temps d'une bonne inspiration, vous restez dans la posture et d'une bonne expiration. Puis vous remontez en inspirant, guidé par le menton droit vers l'avant, vous poussez bien dans les plantes de pied, remontez dos droit. Et ramenez pied droit à côté du pied gauche, expirez. Côté gauche, vous reculez la jambe gauche, 1 mètre vers l'arrière. Une fois que les deux jambes sont bien tendues, si le buste est un petit peu basculé sur la gauche, vous mettez le buste bien de face. Une bonne inspiration. Et vers l'avant, le menton loin vers l'avant, rentrez le nombril, le dos plat, loin vers l'avant, pour se
Puis remontez en inspirant, guidez par le menton vers l'avant, poussez dans vos jambes de pied. Remontez dos droit et ramenez pied gauche. Expirez. Et relâchez doucement les poignets, les mains, les doigts, les épaules. Expirez vos mains et faites les petits 8 de l'infini dans un sens. Et dans l'autre sens. Les petits cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Petit mouvement de poignet dans un sens, paume de main joint, et dans l'autre sens. On tend les bras, on agite les doigts comme si on essorait les mains très souples. Et la même chose de haut en bas, à relâcher. Et quelques ouvertures, fermetures pour remettre de l'énergie jusqu'au bout des doigts, relancer la circulation jusqu'au bout des doigts. Faites des grandes mains, et relâchez, détendez. Et ressentez l'énergie qui circule dans vos paumes de main, dans vos doigts, dans vos avant-bras, dans vos poignets. Peut-être des sensations de picotement, de chaleur, de fraîcheur dans les paumes de main, dans les doigts. Ressentez l'énergie qui circule. On va contrôler la descente pour s'asseoir. On va essayer de s'asseoir le plus doucement possible. Vous gardez les mains devant. Vous rentrez le nombril, vous serrez les genoux vers les cuisses, vous descendez les fessiers vers les talons. Peut-être que les doigts longs vers l'avant vont empêcher les fessiers de tomber d'un coup vers l'arrière. Placez vos aisselles au-dessus des genoux. Essayez de bien placer vos talons tout au plan de pied au sol, puis ouvrez les genoux. Et vous allez poser vos fessiers le plus proche possible de vos talons et le plus doucement possible. Vous gardez les plantes de pied ensemble. Vous attrapez vos chevilles. Vous rapprochez un petit peu les talons. Des fessiers, vous poussez avec votre coude droit sur toute la cuisse droite et vous poussez avec le coude gauche sur toute la cuisse gauche. Vous essayez de faire descendre votre genou droit vers la droite et votre genou gauche vers la gauche. Essayez d'ouvrir un petit peu à droite, d'ouvrir un petit peu à gauche, de masser l'adducteur droit, masser l'adducteur gauche. Attrapez avec votre main gauche vos deux pointes de pied et avec la main droite, vous poussez sur votre cuisse droite. Vous essayez de tendre le bras et d'emmener votre buste vers la gauche, comme si vous vouliez séparer ici au niveau de la hanche, sortir l'étirement au maximum, pousser pour ramener le genou dans le sol. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. De l'autre côté, même chose, on attrape les pointes de pied avec la main droite. Essayez de garder en même temps votre pouce droit sur la cuisse droite pour qu'elle ne décolle pas et vous poussez sur le genou gauche. Ouvrez la cuisse gauche, tendez bien votre bras, emmenez votre buste de l'autre côté. Le buste par vers la droite, la main gauche par vers la gauche, dans une bonne inspiration et une bonne expiration. Puis attrapez vos pointes de pied avec les doigts entrecroisés, mouvement du papillon, vous activez les fessiers, l'extérieur des cuisses pour venir vers le sol. Bien redresser le dos, mouvement d'induction. Et vous entrecroisez les poignets avec les pouces vers le sol, vous attrapez vos chevilles, vous tirez les talons vers les fessiers encore une fois, vous plaquez vos genoux vers le sol, il faut redresser le dos. Ça va tirer aussi sur les chevilles, vous essayez de rapprocher le croisement des poignets du nombril, de rapprocher le nombril du croisement des poignets le bout bien droit, et de prendre une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis relâchez, placez vos pouces à l'intérieur des plantes de pied, les doigts sur les tranchants externes, faites pivoter vos plantes de pied vers vous, essayez d'ouvrir vos plantes de pied comme un muscle, ne pas s'ouvrir, vous forcez avec les pouces à l'intérieur, les doigts à l'extérieur, et vous regardez vos plantes de pied. Une fois que vous avez fait pivoter vos plantes de pied au maximum vers vous, essayez de rapprocher les orteils de votre bas-ventre, vous sentez l'étirement dans les chevilles, dans les coups de pied, vous rapprochez également le bas-ventre des orteils, le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis vous crochetez les gros orteils, index majeur se glisse entre le gros orteil et l'orteil d'à côté. Vous refermez avec le pouce, vous avez vos gros orteils, vous les tenez. Vous pouvez décoller les chevilles du sol, vous trouvez votre centre de gravité, vous tendez les jambes sur les côtés. Vous restez stable, pas grave si ça roule vers l'arrière, vous essayez de trouver votre centre, jambes écart, nombril serré. Rentrez les dos. Une fois que vous avez trouvé votre centre,
est à l'aise avec les jambes tendues devant et les bras tendus. Vous rentrez encore un peu plus le nombril. Vous tendez les pointes de pied et vous rapprochez votre front des tibias. Vous tirez les coudes vers l'arrière. Pareil, essayez d'avancer de la posture, d'équilibre avec le front qui va vers les tibias et les tibias qui vont vers le front. Détendez une bonne inspiration et une bonne expiration. Puis relâchez. Laissez les jambes s'entrecroiser. Reculez un petit peu les fessiers. Vous faites un tailleur bien là. Le tailleur bien là, ce sont les pieds qui vont quasiment sur les côtés du tapis. Et les genoux qui retombent dessus, on a un espace qui s'est créé entre les fessiers et les pieds. On n'a pas les pieds proches des fessiers et les pieds éloignés des fessiers. On est dans un tailleur bien là, les tibias qui se croisent à peu près en leur milieu. Une fois qu'on a son triangle avec les deux genoux et les fessiers qui forment les trois sommets du triangle, légère antéversion de bassin pour projeter le nombril vers l'avant. Les doigts au-delà des genoux, des tibias, une bonne inspiration. Et vous avancez main gauche, main droite, en gardant le dos droit, vous gardez le menton haut, c'est le menton qui avance, comme si vous vouliez mettre votre menton entre vos deux mains qui continue d'avancer. Vous allongez progressivement la main gauche, la main droite, vous allongez le dos, vous faites de l'espace. Encore une bonne inspiration. Et pour ceux qui le souhaitent, vous relâchez les épaules et la tête, peut-être que le front ira vers le sol. Apportez de la détente, inspirez, gonflez le bas-ventre, prenez de l'air dans le bassin, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Et à l'expiration, allongez le corps, allongez un peu plus la main droite, allongez un peu plus la main gauche, allongez la colonne vertébrale. Acceptez l'inconfort de l'étirement avec le souffle. À l'inspiration, mettez de l'air et de l'espace. Et à l'expiration, évacuez les tensions, apportez du relâchement, détendez le corps, laissez-le s'allonger, se détendre. Continuez avec le souffle, à l'inspiration, gonflez le bas-ventre dans l'espace du tailleur. Et à l'expiration, allongez, rapprochez la poitrine des tibias, des mollets, continuez d'allonger, main gauche, main droite. Acceptez les sensations d'inconfort dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Mettez de l'espace, de la détente dans le bas du dos. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis repoussez doucement le corps, repoussez main gauche. Et redressez progressivement votre dos. Une fois que le dos est bien droit, relâchez les mains ou les poignets, hauteur des genoux, hauteur des cuisses. Observez votre posture assise, les hanches détendues, le temps d'une bonne inspiration, vous gonflez le bas-ventre. Et une bonne expiration, vous détendez le corps. Centre et même chose de l'autre côté, mettez le bras droit vers le ciel, inspirez.
gauche se place à l'extérieur droit du genou droit. La main droite, 5 cm derrière la colonne vertébrale. Vous faites bien le nombril, les doigts orientés vers l'arrière. Vous rentrez le nombril, vous pivotez le ventre vers la droite. Vous ouvrez l'épaule droite vers l'arrière et vers la droite. Et vous tournez le menton au-dessus de l'épaule droite, demi-torsion vertébrale à droite. Servez-vous de la main droite pour redresser la colonne vertébrale, poussez bien dans le sol. Et servez-vous de la main gauche pour tirer, pour faire pivoter encore un peu plus les épaules. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration à la posture. Puis relâchez. Et récupérez doucement vos épaules, votre dos, le dos. On change le croisement des jambes, la jambe qui était derrière passe devant, la jambe devant qui était devant passe derrière. Vous êtes à l'aise dans la posture antérieure, que vous aviez le front qui touchait le sol, il y a une variation de cette posture qui se place les tibias l'un sur l'autre. Au lieu d'avoir les tibias croisés, on place un pied sur un genou et on laisse les tibias posés l'un sur l'autre pour faire un vrai triangle. Et seulement si on était vraiment très à l'aise dans la posture. Les doigts vers l'avant, une bonne inspiration. Et à l'expiration, vous avancez les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite. Vous allongez votre colonne vertébrale, gardez le menton haut. Continuez avec l'inspiration, montez la main dans l'espace du tailleur, entre les cuisses. Et à l'expiration, allongez encore la droite, allongez la main gauche, relâchez les épaules et la tête, peut-être que le front ira vers le sol, la poitrine vers le tibia, vers les mollets. Détendez les hanches, détendez les fessiers, détendez les cuisses, continuez d'inspirer, mettre de l'espace dans la posture. Et à l'expiration, d'apporter de la détente, d'apporter du relâchement, de l'acceptation, de la posture d'étirement et des sensations d'inconfort et à l'étirement. Inspirez profondément, gonflez le ventre, emmenez de l'air dans le bassin, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Et à l'expiration, continuez d'allonger la colonne vertébrale, mettez quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite. Détendez le corps. Shavasana, posture de relaxation complète, vous détendez les fessiers, les lombaires.
s'échappe du corps à l'expiration. Observez le bas-ventre et le thorax qui accompagnent les mouvements du souffle. Il se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Ressentez l'énergie de l'inspiration qui vient jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, ressentez le relâchement, évacuez toutes les tensions du corps, détendez-vous, laissez le corps s'enfoncer dans le sol, détendez tous les membres du corps. Puis resserrez les deux jambes, mettez les pieds flex, tirez les orteils vers vous. Placez vos paumes de main à côté des fessiers, paumes vers le sol. Exercice pour les jambes, vous verrouillez bien les cuisses, les genoux, les tibias, les jambes sont bien toniques. Plus vous tirez les orteils vers vous, peut-être que les talons décollent déjà un petit peu du sol. Essayez de plaquer vos lombaires au sol. Première inspiration, vous comptez la jambe gauche sur 3 temps, inspire gauche, compte sur 3, 2, 1, talons vers le ciel, les deux jambes bien tendues. Expire gauche, contrôle la descente sur 3, 2, 1. Inspire droite, montez la jambe droite sur 3, 2, 1. Talons vers le ciel. Expire droite, descend sur 3, 2, 1. Inspire gauche, monte sur 3, 2, 1. Expire gauche, descend sur 3, 2, 1. Inspire droite, monte sur 3, 2, 1. Expire droite, descend sur 3. Inspire gauche, monte sur 3, 2, 1, expire gauche, descend sur 3, 2, 1, inspire droite, monte sur 3, 2, 1, expire droite, descend sur 3, 2, 1, les deux jambes ensemble, vous montez, inspirez sur 3, 2, 1, rentrez bien l'ombril, plaquez les lombaires au sol, si les lombaires se creusent à la descente, arrêtez de descendre, expirez sur 3, 2, 1, inspire, montez les deux jambes sur 3, 2, 1. Expire, rentre le nombril, descend sur 3, 2, 1. Encore une fois, inspire, montez les deux jambes sur 3, 2, 1. Expire, rentre le nombril, descend sur 3, 2, 1. La dernière, inspire, montez les deux jambes sur 3, 2, 1. Expire lentement, descend sur 10, tout doucement 9, en son temps 8. 7, 6, 5 à la moitié, 45 degrés, nombril bien serré, lombaire plaqué au sol, puis descend sur 4, 3, 2, 1, puis écarte les jambes, paume de main tournée vers le ciel, Shavasana, relâchez le corps, posture de relaxation complète, laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration, et se détendre à l'expiration. Shavasana en sanskrit, posture du cadavre, posture de détente complète, de relaxation profonde. Observez votre souffle, l'air qui rentre dans le corps en inspiration et l'air qui s'échappe du corps à l'expiration. Puis resserrez les deux jambes, vous montez les deux jambes vers le ciel. Phase d'étirement, jambes écartées, vous écartez vos jambes sur les côtés. Vous placez vos mains sur l'intérieur des genoux, à gauche et à droite. Et en ouvrant les hanches, en ouvrant les adducteurs au maximum, vous laissez basculer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous massez les fessiers en même temps, vous ouvrez un petit peu plus.
externe du pied gauche à gauche vers le sol, et tranchant externe du pied droit à droite vers le sol à droite. Faites des petits balanciers à gauche, à droite. Puis fixez la posture, décollez les épaules et la tête, emmenez vos doigts loin vers l'avant, décollez les omoplates pour rentrer le vent, et vous placez les mains au-dessus des genoux. Vous allez pouvoir appuyer un petit peu plus à gauche et à droite pour gagner encore un petit millimètre à gauche, un petit millimètre à droite, ouvrez au maximum. Une fois que vous avez ouvert au maximum, vous gardez l'appui avec les mains, avec les épaules, avec les bras qui forcent vers le sol. Et vous refermez vos adducteurs. Les adducteurs forcent pour refermer les jambes et les mains empêchent la fermeture. Vous êtes actif dans les épaules, dans les bras pour empêcher, mais les jambes sont plus fortes que les bras et elles finissent par se refermer. Une fois que vous avez refermé les deux jambes, les mains sont parallèles au sol. Ici, posture du bateau sur le dos. Vous laissez descendre les jambes, vous rentrez le nombril, vous restez sur les lombaires. Si les lombaires se creusent, vous arrêtez de descendre. Si vous pouvez descendre les pieds en face du visage, vous les descendez en face du visage. Vous ne les descendez pas trop bas si vous creusez le bateau. Ici, dans la posture du bateau sur le dos, les jambes bougent. Quand les jambes bougent, le haut du buste accompagne. Vous êtes dans un léger tangage, tangage du bateau. Alléger sur les lombaires, puis fixez la posture et restez là pour 10, rentrez fort le nombril, respirez 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et emmenez les pieds vers l'avant, redressez la posture et décontractez ici vos abdominaux. Détendez, respirez, gardez les pieds flex, tirez vers vous. Vous décollez la peau des fessiers, moyen fessier du sol. Légère antéversion du bassin pour projeter déjà le nombril vers les cuisses. Ici, on est dans la posture du bâton, quand on a le dos bien droit, les jambes tendues, du pied flex. Et on va aller dans Paschimottanasana, posture de la pince avant. Vous pouvez crocheter les pouces. Les doigts vont haut vers le ciel, 17 à l'arrêt des oreilles. Vous grandissez la colonne vertébrale, inspirez. Première expiration, 45 degrés, les doigts montés vers le ciel et à 45 degrés, le menton haut dans l'axe des doigts, vous allongez votre colonne vertébrale, inspirez, gonflez l'avant, expiration 2, on va chercher loin vers l'avant, vous emmenez vos doigts vers le mur d'en face, le menton haut, inspiration 3, et l'expiration, vous allez chercher à attraper peut-être les orteils ou les chevilles, talons, bas des fibias, vous avez les orteils, les croisez les doigts derrière les plantes de pied. Quand vous avez les doigts croisés derrière les plantes de pied, vous attrapez un poignet. Vous attrapez un poignet, vous essayez d'attraper encore un petit peu plus loin. Peu importe là où on attrape, vous descendez les coudes et vous respirez, vous relâchez les épaules et la tête. Et détendez dans la posture de la pince avant, Paschimottanasana. Vous inspirez, gonflez le ventre sur 3, 2, 1. Expirez sur 6. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Expirez, allongez la colonne vertébrale sur 6. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Expirez sur 6. 5, 4, 3, 2, 1. Les doigts vont loin vers l'avant. Inspirez. 45 degrés. Puis vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez, placez vos mains sur la ligne derrière les fessiers, les mains sont écartées largement des épaules, les doigts orientés vers les pieds. Ici, pour poser les paumes de main, c'est sans incliner le buste vers l'arrière, sur surtout les épaules qui se resserrent dans le dos, les omoplates qui se resserrent et les épaules qui descendent pour placer les paumes de main dans le sol. Les doigts orientés vers les pieds. Ici, vous inspirez, vous rentrez vos pieds, sortez la poitrine vers l'avant, vous resserrez les omoplates dans le dos comme si vous voulez cacher vos épaules dans votre dos. Avec les mains, vous essayez de séparer les tapis, vous utilisez les tranchants externes des mains comme si vous sortiez dans le sol pour aider à rapprocher vos omoplates l'une de l'autre et emmener vos épaules vers l'arrière. Le temps d'une bonne inspiration. Gonflez la cage thoracique, resserrez les omoplates comme si vous voulez passer par-dessus la colonne vertébrale pour venir en contact l'une avec l'autre. Puis après,
faire l'expiration, relâcher les aiguilles des épaules, réapparaître et reculer les mains d'une dizaine de centimètres. Vous resserrez encore les omoplates, les mains d'une dizaine de centimètres, le corps commence à s'incliner. On va faire le plan incliné, contre-posture de Paschimottanasana, on va activer l'arrière des jambes, tendez vos pointes de pied loin vers l'avant. Vous allez décoller les hanches du sol, passer dans le plan incliné, les plantes de pied vont vers le sol et la tête va vers l'arrière. On reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez, reposez les fessiers. Reposez les jambes, laissez écarter les jambes, l'arbre de tapis, Shavasana, relâchez les bras et les mains, rétroversion du bassin, moyen fessier ou fessier bas du dos avec la rétroversion du bassin. Vous posez en douceur, première vertèbre, deuxième vertèbre, toutes les vertèbres, paume de main tournée vers le ciel. Détendez le corps. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration. Se dégonfler à l'expiration. Détendez les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts. Et détendez tout l'arrière du corps, le dos, les fessiers, l'arrière des jambes, les mollets, les plantes de pied. Et détendez tout l'avant du corps, poitrine, abdomen, jusqu'aux orteils. Observez l'air frais qui rentre dans le corps à l'inspiration. Et cet air un petit peu plus tiède qui passe par le bord des narines à l'expiration. Et à l'expiration, les doigts vont loin vers l'avant, vous décollez déjà la tête, les épaules, vous rentrez le nombril avec la rétroversion du bassin, vous décollez haut du dos, milieu du dos, et évadez. Si c'est difficile, n'hésitez pas à garder les doigts vers l'avant, décoller les épaules et la tête, à monter une jambe, et avec le talon qui va vers le sol, vous donnez l'élan pour commencer à travailler sur le transverse, et la jambe partira de moins en moins haut, par la suite. On se place sur les genoux à l'arrière du tapis. Fessiers sur les talons, le dos bien droit, posture Vajrasana, posture zen, soit les paumes de main sur les cuisses, ou le dos des mains sur les cuisses, ou même le dos de la main droite sur la paume de main gauche, les coudes qui se touchent comme vous le souhaitez. Vous êtes bien droit, vous détendez. On incline un petit peu le buste vers l'arrière, on ressort les étirements, un peu plus dans les chevilles, dans les tibias. Bonne inspiration. Resserrez les omoplates. Et une bonne expiration. Puis relâchez. Et ramenez. On place les mains en table. Vous avez les mains sous les épaules. Les doigts sont bien écartés. Chaque fois qu'on a les mains au sol, vous avez toujours le doigt bien écarté les uns des autres. Les genoux écartés vers le genre de bassin, cuisses perpendiculaires au sol, bras perpendiculaires au sol. Vous tournez les biceps vers l'avant. Vous faites tourner les biceps vers l'avant, ça vous permet d'avoir les coudes qui se posent vers vous. Comme ça, vous pouvez vérifier que vous avez bien les biceps tournés vers l'avant. Ici, on a le dos droit, on va faire dos fodo rond, étirement du chat. Vous inspirez, vous gonflez le bas-ventre, vous remontez le ventre vers le ciel et vous laissez se creuser le bas du dos. À l'expiration, vous rentrez le nombril, rétroversion du bassin, le menton vers la poitrine, regard vers le nombril, dos rond. Inspirez dos creux, gonflez l'avant. Expiration dos rond, rentrez le nombril. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos. Inspirez, gonflez le bas-ventre.
placer en plante, d'avancer un petit peu les mains depuis la planche. Entrez bien dans une série de fessiers. On va descendre pour s'allonger sur le sol, les coudes serrés. Essayez de contrôler votre descente, si possible pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, à la moitié, 4, 3, 2, 1, à ras du sol. Posez. Faites un coussin avec les mains. Posez soit le menton, soit le front, soit la tête d'un côté, la tête de l'autre. À l'arrière, les gros orteils se touchent, les chevilles partent vers l'extérieur pour détendre les hanches. Vous détendez le corps avec une bonne respiration en gonflant la ventre. Et une bonne expiration, vous détendez. Posture de relaxation sur le ventre. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. On va revoir en détail le Bhujangasana. Bhujangasana, le cobra, dans la salutation au soleil. Vous refermez les jambes. Placez vos paumes de main de part et d'autre de la poitrine, vers le bas de la poitrine, ou des côtes flottantes, presque. Première étape, les coudes sont serrés. Le menton va loin vers l'avant. Essayez d'ancrer tout votre base de votre cou au sol. Deuxième étape, tête vers l'arrière. Essayez de poser l'arrière de votre tête sur les omoplates. Troisième étape, vous serrez les fessiers, serrez les lombaires, vous décollez les deux dents en tirant les coudes vers l'arrière, on va être dans une demi-cobra pour 10, 9, 8, 7, serrez les fessiers, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis avec les mains qui poussent un petit peu vers l'avant, vous décollez un tout petit peu plus la poitrine du sol. Et vous enlevez les mains, vous mettez là pour 4, 3, 2, 1. Vous poussez encore un tout petit peu plus, vous serrez encore plus fort les fessiers et les lombaires, et vous enlevez les mains pour 3, 2, 1. Et relâchez, vous avec les mains, les mains d'un côté de l'autre, votre tête se touche, celui vers les extérieurs, détendez les fessiers et les lombaires. Laissez le bas ventre se gonfler à l'inspiration. Posture suivante, posture Salavasana, posture de la sauterelle. Vous resserrez bien les pieds, cette fois-ci vous placez vos mains de part et d'autre des hanches, les mains vers le sol pour les doigts d'un écarté, c'est les paumes de main vers le sol. Les paumes de main vers le sol. Pour les postures de la sauterelle,
bas du dos, c'est de monter la jambe gauche sans ouvrir la hanche, le plus haut possible, restez là encore 6, 5, 4, 3, bien droit, 2, 1, et relâche. La jambe droite, vous tendez la pointe du pied droit, vous montez, vous appuyez le fessier droit, vous montez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Encore une fois, pour préparer les deux jambes, puis les deux pointes de pied se tendent, vous activez les deux fessiers, vous montez les deux jambes, poussez aussi sur les mains et restez là pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Tout ça avec les mains, vos orteils se poussent, chevilles vers les extérieurs, détendez le corps, détendez les lombaires, les fessiers, les deux jambes. Observez le bas-ventre, second, la respiration. Et qui se dégonfle à l'expiration. Pour étirer les lombaires, placez les mains sous les épaules. Posture du lièvre, les fessiers vont vers l'arrière, vers les talons. Vous gardez les mains devant, vous rentrez le nombril et vous laissez les fessiers en direction des talons. Sans bouger les mains au départ, le temps que la colonne vertébrale s'allonge, les fessiers aillent chercher le plus loin possible vers les talons. Même avec la rétroversion du bassin, vous gagnez quelques millimètres, quelques centimètres en direction des talons. Puis ensuite, vous allez laisser glisser un petit peu les mains pour que les fessiers aillent réellement un petit peu plus loin. Et encore glisser les mains jusqu'à ce que les fessiers aillent sur les talons, le sommet du front au sol. Dans la posture du lièvre, vous gonflez le bas-ventre à l'inspiration sur les cuisses. Et à l'expiration, vous détendez le corps. Encore une bonne inspiration, gonflez le bas-ventre, tendez de l'air dans le bas du dos.
largeur d'épaule en mesurant, en emmenant les poignets à chaque coude et en refermant les mains sur le bas des triceps. On va placer cette largeur de coude 30-40 cm devant ses genoux. Gardez les coudes tels qu'ils sont et faites un point avec les mains. Vous avez devant vous un triangle d'avant-bras, le point est serré, les doigts entrecroisés. Vous appuyez bien sur les coudes, sur les avant-bras et sur le point. Vous allez placer vos orteils au sol, les balles de pied dans le sol. Puis décoller les fessiers. On est en réinversé, mais sur les avant-bras. Le but est de muscler la ceinture scapulaire pour aller dans la posture sur la tête, posture Sirsasana, donc le dauphin, c'est un exercice préalable. L'exercice consiste à faire des oscillations. Gardez les fessiers hauts. Le menton descend vers le point au-delà en expirant. Et en inspirant, on pousse sur les avant-bras, sur le point et sur les coudes pour remonter les fessiers vers le ciel, talons vers le sol, tête vers les genoux. C'est bien sur les avant-bras et sur les coudes. Si les coudes s'écartent, vous faites 3 assises aller-retour. Si les coudes s'écartent, vous les refermez. Expirez vers l'avant et inspirez, poussez sur les avant-bras. Emmenez la tête vers les genoux, essayez de dépasser la ligne des biceps avec les oreilles, talons vers le sol, bassin vers le ciel. Peu importe la vitesse d'exécution, vous expirez, vous emmenez le menton vers l'avant et vous inspirez, vous poussez sur les avant-bras et sur les coudes pour que le bassin monte vers le ciel, tête vers les genoux, talons vers le sol. 3 assises aller-retour, peu importe la vitesse, peu importe l'amplitude, peu importe le nombre de répétitions. Quand vous avez terminé, vous posez en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, les genoux au sol, les dessus de pied au sol, les fessiers sur les talons, comme la posture du lièvre, avec les bras le long du corps, le dos des mains au sol, paume de main tournée vers le ciel, les mains à côté des pieds, et vous étendez les épaules, vous placez le sommet du front au sol, fessiers sur les talons. Détendez le corps. Le bas ventre se gonfle à l'inspiration. Et qui se dégonfle à l'expiration. Puis redressez-vous. Ici, deux possibilités, soit on refait le dauphin, pour ceux qui le souhaitent, exactement la même chose, vous avez gagné de l'amplitude, de la maîtrise du mouvement du dauphin. Pour ceux qui connaissent déjà, on ira directement dans la posture sur la tête, ce sera le même démarrage, on prend sa largeur de coude, on fait son point avec les mains, on écarte les poignets pour faire une cale pour l'arrière de la tête. On placera le sommet du crâne au sol en rentrant bien le menton pour avoir la nuque droite, les épaules loin des oreilles pour continuer à appuyer sur les avant-bras, on n'est pas que sur la tête, mais aussi sur les avant-bras. Si on a juste posé la tête, on ne met pas trop de poids sur la nuque, il faut bien reculer les épaules. Une fois que vous avez placé votre sommet du crâne au sol, vous passez sur les bols de pied, vous avancez les jambes pour placer le dos dans l'axe de la nuque. Une fois qu'on aura avancé les jambes, on range le nombril, on absorbe, il faut redresser l'ombre, on passe sur les bols de pied, voir le bout des orteils pour ramener les genoux vers la poitrine. Une fois qu'on a ramené les genoux vers la poitrine, on monte les genoux à 90 degrés, puis les genoux vers le ciel, et posture Sirsasana avec les pointes de pied qui vont vers le ciel. C'est une des postures reines du yoga, posture Sirsasana, posture sur la tête, qui non seulement fait travailler le corps, mais aussi pour avantage de mieux alimenter en oxygène le cerveau, le système endocrinien, d'avoir un meilleur retour veineux pour le cœur, et de pouvoir bénéficier de bienfaits physiologiques. On ira dans la posture avec contrôle, et pareil, on ira dans, on retournera avec contrôle, en respectant les étapes, talons fessiers, on range le nombril, on ramène les genoux vers la poitrine et on repose les pieds au sol. Une posture de l'enfant, non seulement pour relâcher les épaules, mais aussi pour laisser la circulation sanguine, revenir à l'horizontale avant de redresser. Donc vous faites le dauphin, on fera le dauphin, le dauphin, le dauphin pendant plusieurs semaines et à un moment, quand on sentira prêt, on ira dans la posture. Sur le sol, pas sur les mains. Encore un peu plus, le menton va à la limite.
bien le dauphin, et petit à petit, avec les différentes postures, ça va venir tranquillement. Il n'est pas obligé de faire ça à la première séance, mais ça, petit à petit, pour allonger le dos. Voilà, on avance, on avance. Trois fois le son haut.